revenu, semble-t-il, un peu critique. À minima, des traités de libre Israël commet des violations répétées des droits humains, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire, comme l'a indiqué la CIJ, des génocides. La question de la dénonciation et de la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël se pose. L'Union est en effet le premier partenaire commercial d'Israël.